Déjà, nous saluons tous les amis fanatiques sur Sofia TV 83. Yo. Avant de nous entrer dans les détails d'informations, si tout le monde, les amis, les familles, les abonnés, vous veillez sur l'autre, surtout les amis qui vivent en Haïti, les gens qui ont des familles à l'étranger ou n'importe côté sous la terre, en kembe men l'autre, en essayer de surmonter, souvler le moment difficile ça yo ensemble avec l'autre, parce que nous pas qu'à laguer, nous pas capables abandonner quel que soit Jean Sataille. N'oubliez pas d'El Patrol par l'autre ou sous gros réseau parole, réseau information, Sofia TV 83. Situation qui a développé jeudi à face à remonter insécurité à par yon bagaille piti si nous t'apprend en compte déclaration ministre justice là Jean Oudi Ali qui admet plusieurs cas kidnapping qui enregistré dernier jour ça yo au niveau région métropolitaine Port-au-Prince là li parlait des adoptions diverses mesures qui permettent yo faire face à ca phénomène ça et puis lancer yon appel à population pour capable collaborer contre tout ça malhonnête li fait connait la justice a pas gain pour agir à toute force li contre moun ki hôtel Zakasi la yo estime y a marché prend bandi yo quel que soit côté yo taye ya. Cependant ministre a profité à l'TPNH la et yo en garde à vous pour river kwape tout bon vrai fléau kidnapping nan capable détruire société ya. On suive déclaration Jean Oudi Ali sous réseau parola réseau information Sofia TV 83. Cellule contre enlèvement dans la police là, avec service renseignement yo, permettent de nous identifier ou bien recenser plusieurs cas de kidnapping surtout dans la zone métropolitaine. La police nationale saisit des questions au niveau du gouvernement, nous sensibiliser, nous mobiliser, nous interpeller par situation ça pour nous porter éléments nécessaire pour résoudre le problème. Bah, élément de réponse approprié par rapport à ça. Comme on est capable de constater, la police là, lit à pied d'œuvre, gagnant des opérations de police qui en cours, non pas bail tout détail sur ça, mais opérations de police là, ils ont visé à traquer kidnappeurs, quel que soit côté qu'il y a. Parce que service renseignement permet de nous identifier poche côté kidnappeurs caché. Donc il n'y a pas avancé sur eux, il n'y a pas de doute là-dessus. La police là, mobiliser sous ça. Nous voulons attirer l'attention de la population pour demander de collaborer à la police. Nous demander tout acte suspect, moindre acte suspect que l'État a remarqué dans l'environnement pour lui informer la police là, pour collaborer avec elle pour permettre de faire travail plus bien. Nous avons demandé à la population pour les garder calme pendant la prêter, vigilant. De même, nous voulons dire à la population que nous prise en charge des questions faites par la police. Pas de panique. La police a bail éléments de réponse appropriés par rapport à la situation. De même, nous demandons aux gens qui ont fait activité kidnapping, de mettre changer métier, pas gagner avenir pour eux. La police a marché prend eux, dans quel soit côté eux, il y a un dernier retranchement, la avancé sur eux, et nous demandons la justice pour sévir tout avec la dernière rigueur contre les gens qui sont impliqués dans la question de kidnapping. Peu importe les gens, peu importe la situation, complice ou autre, ou moun ki nan kidnapping, la police gen instruction pour lui avancer sur yo pour arrêter yo, mener yo bay la justice et la justice a sévir avec la dernière rigueur. Nous pas qu'à tolérer kidnapping dans société a. Nous pas qu'à tolérer moun ap si medeuil dans famille haïtienne yo. Y a tué moun, y a mandé moun de l'argent qui ont pas possédé. Nous pas tolérer ça dans société a. Gouvernement déterminé, la police déterminée pour chercher kidnapper yo même si vous rentrez dans votre maman yo. N'a prend un dernier retranchement que vous gagnez, quel que soit côté où il y a marché sous yo, et me rassure que la justice a sévir avec la dernière rigueur contre monde qui impliqué dans la question kidnapping. Nous pas qu'à tolérer ça dans la société haïtienne. Voilà, où sont suivre yon extrait dans la déclaration sévère ministre justice là, Jean Oudi Ali. N'a prêté dans dossier sécurité à côté porte-parole en après PNH là, inspecteur Gary Desrosiers profite pour lancer message à Pimambouk, mais des populations aider yo dénoncer bandi yo, yon veye sous l'autre pour empêcher zak kidnapping yo continuer. Bon côté la police nationale d'Haïti, discours a pas changé.
porte-parole en après institution 1, Gary Desrosiers, annoncé une disposition qu'elle prend dans l'idée pour faire face à l'insécurité. Nous comprenons l'inquiétude de la population face à la situation. Et nous connaissons ce qui a été représenté en 2004 et combien de monde qui est victime. C'est des situations qui alarment tout le monde, toute famille et toute institution, notamment la direction générale de la police nationale. Et pour le moment, à ça qu'a fait Kounia, nous sommes très touchés par ça. Et nous sommes une disposition qui prend au niveau de la direction générale, côté que nous avons mobilisé toute ressources, non, que les techniques intellectuelles. PNH là annonçait tout, enquête sur problématique ça, mais l'immédiat des populations et de le croiser bandits. N'a pas travaillé sous toute hypothèse, n'a tout pas écarté pratiquement aucun risque que les criminels et autres. N'a pas mené tout, bon j'enquête sous vraie nature, problème ça. Et sous vraie dimension de tout, et là, n'a fait appel à la population pour porter collaboration avec. Malgré multiplication ka kidnapping yo, un pile moun a posé tête question sous présence policière yo pas remarqué dans capitale là. Gary Desrosiers parlait des problèmes effectifs. Présence là toujours là, li entre dans cap prévention au niveau grand action parce que c'est certain que j'en ai toujours dit hein, arithmétiquement, li impossible pour que nous toucher toute zone vu problème effectif que nous gagne. Et ça fait encore une fois nous quoi dans partenariat ça que nous développer avec population de manière pour que nous capable vivre ensemble avec population pour quoi paix mauvais ça pour extraire nos sociétés. Porte-parole en après PNH là invité population à dénoncer bandi yo. Si que yo environ moun, yo séquestre moun, c'est nos zones en travail. Et zone ça qui en travail là. Moun ka vive dans quartier, moun ka vive tout près côté au séquestre moun nan, c'est certain que wa activité ka fait là-dedans. Alors toujours dit moun yo faut nous pas tolérer type de comportement ça yo parce que de toute façon, c'est fraction nous ka victime. Dia voir qui levé dans niveau société civile là capable dénoncer dégradation sécurité en Haïti si tout face à ka auto autorité yo qui pa mené en ken action pour contrecarrer phénomène ça. Nan yon lot tout l'ouvri li voye bay premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, réseau national défense droit moun yo attire attention premier ministre lan sou situation ki nan yon niveau inacceptable à côté autorité yo rete bras croisés devant action gang ak zam kap kidnapper tiè moun violer faire vol sans personne pa prend aucune sanction contre yo. RNDDH mande monsieur la pour le prendre responsabilité là face à ca problème malouk ça. Dans la sa yo écrit chef conseil supérieur police nationale là responsable RNDDH a attiré attention Jean-Michel Lapin sur responsabilité il gagne pour garantir sécurité population. Yo fait patron primatier a remarqué c'est pas parce qu'il est en tête un gouvernement démissionnaire pour pas remplir des voies gagner envers population qui se sécurise territoire national là. Marie Rosie Auguste du Sénat c'est responsable programme dans RNDDH. D'abord, nous avons des 100 cas enlèvement suivi de séquestration contre son yo. Nous avons attiré attention sur le fait que c'est depuis la fin année 2019, la casse yo a commencé à reparaître avec autant d'intensité et que malheureusement, nous-mêmes, côté Chitala, nous pensons que l'autorité policière yo, qui a l'impression de dépasser par les événements, pas capable d'intervenir pour yo améliorer la situation. Dans sa gimpoué avec une sécurité généralisée qui est dans le pays, défenseur Edouard Mounio fait chef gouvernement démissionné a remarqué situation a commencé à dégrader depuis l'année passée, mais pas de gain qui a fait contre ça. Ça qui, d'après eux-mêmes, permet de malfrayer au gagnant boulevard devant eux pour capable de mener activité criminelle yo, et surtout sans pas inquiéter yo. Madame du Sénat. Sous question insécurité généralisée, nous faisons zoom sur ce qui s'est passé dans l'année 2019. Là. C'était une année qui était très préoccupante avec au moins 478 cas de mort violente, soit par balle ou à l'arme blanche. Et parmi eux, il y a 45 agents PNH, un chiffre qui n'a pas de jambes qu'on atteint depuis création force police. Là. Et nous tous disons que 2021, j'en ai dérapé à l'histoire annoncé les couleurs. Effectivement, sauté moi, j'en ai arrivé qu'on y a, il y a un peu petit 32 cas qui mourent avec violence. Qui enregistré dans ce chiffre, nous joignons 4 policiers, d'après Marie-Rosie Auguste du Sénat. Il y a 32 cas de mort violente que RNDDH mettait avec Commission épiscopale nationale justice et paix, rivé ou essentiel. Parmi eux, déjà, il y a 4 agents PNH et nous pensons que CSPN n'a pas qu'à arrêter comme ça pour chita pour la garder et puis compter cadavre, même genre avec tout le monde. Face à constat, ça, RNDDH mandé Premier ministre démissionnaire pour prendre toutes dispositions qui sont nécessaires. Pour capable mettre un bout dans la situation ça. Nous recommandons
à Conseil supérieur police nationale là pour lui renforcer cellule contre enlèvement des CPJA et surtout pour lui exiger des résultats immédiats et probants quant à cas qui est enregistré. Deuxièmement, pour exiger que l'administration fournit par agent PNH un moyen adéquat de fonctionnement, pour exiger que tout corps spécialisé qui a fait travail de protection et de contrôle au niveau des ports, des aéroports et de frontières dans le pays, pour mettre toutes mesures en application pour freiner le contrebande. Nous avons assisté depuis plusieurs semaines à une multiplication de kidnapping dans la capitale. La situation est tellement grave, la population n'a pas de question pour le relais. En pile moun di yo wenn passivité autorité yo yon silence complice. Voilà, c'était tout ça n'était pote pou nan journal la songe modod la rete fèm kembe pa moli n'ap retourné pou yon lot vidéo sou réseau pa ou la Sofia TV 83.